Elizabeth Gerritsen, qui freeride. Bon, sûrement, bah là c'est Gary. Tante Gary, ouais, pardon. Tante Gary. Ah, sur vous, c'est inavouable. Je crois que je suis quelqu'un d'empathique. Je suis impatiente. Bah, mon idole, c'est Maud en vrai, elle m'a tout appris dans le ski. Voilà. Un aigle. Parce que je pourrais survoler plein de trucs et j'aurais pas forcément à me poser très longtemps sur la Terre. Parce que des fois, la Terre, c'est pas triste. Je pense le jour où j'ai appris que j'étais qualifiée sur le World Tour. Et mon moins bon souvenir, c'était le lendemain matin. J'aime beaucoup les Kinder Bueno. Le risotto aux asperges. Je sais pas, des fois je me dis que la vie est déjà tellement une farce que c'est pas forcément nécessaire de se déguiser. Karaoké, c'est la nuit je monte de Alain Bachoumi. Bon, j'ai pas de voiture, j'aurai jamais de voiture. Je prends l'avion deux fois par année, une fois pour aller au Japon, une fois pour aller au Canada. Je trie mes déchets. J'essaye de consommer local, je mange pas de viande. Je suis un peu agoraphobe. Maud Bess. On revient toujours à elle, hein, décidément. Alors, en général, je bois une boisson sucrée, très sucrée. Et voilà. Oui, je pratique le ping-pong quotidiennement. Une fois, j'étais à Kicking Horse avec Yann et Maud. Et Yann, il venait de se blesser. Et tout le monde était déjà assez de mauvaise humeur. Et ensuite, on est arrivé à l'aéroport après 4 heures de route depuis Kicking Horse. Et on s'est rendu compte que Maud avait oublié son ski bag à l'hôtel. Et sur le moment, ça m'a vraiment pas du tout fait rire. Mais maintenant, je rigole. C'était un moment insupportable. Et j'avais trop envie de les tuer les deux parce que Yann était de mauvaise humeur. Et puis Maud, bah, elle avait pas de ski bag et du coup, enfin, c'était l'enfer. Et elle parle pas anglais. Et du coup, après, on allait manger des burgers. Et finalement, c'est allé. C'était un moment chouette. J'ai pas vraiment de signature, mais. Ok. Sous le soleil des tropiques.